Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Sirikei. Bonjour les gens. Ok, donc je reprends la partie. On reprend la partie. Et là, c'est con, qui m'ont déclaré la guerre? L'avantage, c'est comme ils attaquent le Sarigyogir, ils vont aller le siéger lui. Ah. Et là, d'un coup, il dit, en fait, je t'aime bien le Mongol. Tu vas peut-être me défendre. Mais je vais pas me marier avec toi parce que je suis infidèle. Il me fait chier, le Ming. Ok, 14. Les révoltrices. Ah, putain de merde, il va défoncer mon armée. Il fait chier, 28% du siège. Ah, oh, ça casse les couilles, ça. Putain. Ouais, parce que Tnaz, il va pas venir en renfort. Il va à Zaxat. C'est où ça, Zaxat? C'est où, Zaxat? Azazagt. Enfin là-bas. Je vais me faire défoncer. Et voilà. Eh putain de merde. Si je pouvais m'allier avec le polonais. Non, c'est que le polonais, ah, ce serait très bien ça. Je prends le moscovite dès que j'ai assez de troupes. Dès que j'ai assez de faveur avec les deux. Ça roule comme du beurre. Des fois, je comprends pas le principe de la retraite sur des troupes. Là, j'ai mes troupes et fuient, mais elles fuient, genre elles sont en Eurat. Elles fuient au niveau de la Corée, quoi. Ah ouais? Ah non, mais les mecs, c'est pas des PD, enfin un peu, mais pas complètement. C'est la moitié du monde connu, les gars, ou inconnu. Et j'ai des rebelles qui pop en face, non mais sérieux, putain de merde. Putain. 16 000 hommes en plus, ça va, c'est pas comme si il popait 3 000 hommes. Bon, allez, on va recruter du mercenaire. Oui, on sait pas encore. Tu voudrais pas qu'on soit pote, toi, le polac? Voilà. Ce serait pratique, ça. Honnêtement, moi, je vote pour. J'irais tellement là, mais faudrait qu'il soit amical. Voilà. Il va Tchirin et lui va où? Ilan Ala. Ouais, bah. Eux là-bas ils disent quoi? Ils ont fait le siège et on attend. Putain. T'as mis le gars qui a des je sais pas combien de dettes en plus. Est-ce que je vais tenir contre la défense? Oui, je te paye ton tribut, toi. Oh putain, j'en reviens pas. Putain. Il y a 3 Oxyates, 9 Gorod, Akonu qui va mettre mes alliés, mais c'est tout. Est-ce que je vais réussir à gagner? Je fais un 0, il fait un 5. Putain.
Non, mais dans la catégorie, j'ai pas de bol, je veux moi, quoi. Bonjour, je veux ma clinique dans la catégorie, pas de bol, quoi. Ça, j'ai une grosse économie. Enfin, une grosse économie. On va me parler. Voilà, je me comprends. J'ai une économie à chier, mais pas trop. Ah, le Chagatai a annexé le machin. Bien. Le Erkan Balan, parce qu'ils étaient alliés tous les deux contre moi. Ouais, ça fait un moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de troupes et Oui, qu'elles c'est pas voient faux. des fois disbander, sinon il sera plus en équilibre. En surconsommation, ouais. Jonsu, ouais, on s'en fout, les séparatistes. Alors, voyons, il a 19 000 Oh hommes, mon dieu! 23 000 de manpower. Thomas a réussi son débarquement sur Rhodes, mais il a pas assez de pouvoir pour les prendre. Putain, je vais me faire défoncer le cul. 19 000 hommes qui arrivent, qui me tapent dessus. Ah, j'aime bien, c'est moi qui ai un malus, c'est moi qui suis en situation défensive. Pourquoi? Je sais pas. Alors que le mec, c'est pas sa province. Oh putain, je l'ai défoncé. Est-ce que je vais le défoncer? Live quand le 3, le 2 juillet, 3 juillet. Oh, c'est bon. Oh putain, j'ai gagné. Ah, ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Et l'autre pécor, là, le Sarig Yugir. Ah, ben, le Sarig Yugir, il est en train de. Il se balade ou il siège? Ouais, j'ai pris un prêt, c'est pas grave. Le siège de Kobdo est terminé. Ah, ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Donc, toi, je veux ta province, tes thunes. Je vais aller prendre sa capitale à l'Otnaz, là-bas. Bon, Bon. allez, vas-y, siège les provinces, toi. Ok, je vais siéger la capitale de Chagatai et je vais défoncer Chagatai. Oh, j'ai un truc tout de Ah oui, suite à ça y est, j'ai des faire. rebelles là-bas. C'est un peu salaud. J'éclaire la gare à Moldavie en appelant l'Ottoman et promettant des terres. Comme ça, je me gobe la Circassie. Je défonce la Moldavie avec l'aide de l'Ottoman. La Pologne, je sors le plus possible de la guerre grâce à l'Ottoman. Et une fois que, vu que la Pologne n'aura plus la Moldavie à dire ouais je protège, bah, je fais un truc très simple, c'est que bah il a une relation diplomatique de moins, du coup je peux essayer de négocier une alliance avec lui. Bien vu l'aveugle. Selon le calcul scientifique extrêmement génial, ça ne peut pas échouer. Non mais je suis d'accord avec toi. L'autre là-bas, allez, prends les provinces. Occupe-le, prends-lui ses provinces. Je sais pas où est-ce qu'il fuit l'autre. Hein. Il est en train de fuir avec. Tu vois, t'as le. Tu vois où c'est Chagatai? Ouais. Bah, là, il est en train de fuir, il arrive au niveau de Pékin. Putain, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je sais pas, et lui non plus, le je temps pense. que le temps qu'il revienne, tu vas être tranquille à un bon moment. Bah là, je suis tranquille en train de siéger sa capitale. J'ai mon vassal qui est en train de. Ah oui, d'accord, c'est la montagne. Il y a mon vassal qui est en train de siéger sa pro. Non, pourquoi il siège pas la province? Il se balade. Non, je vais plutôt aller. Ouais, je vais siéger ça. Là, les 375 hommes, on les sort, on prend cette armée-là et on est prêt à le défoncer au cas où ils viennent dans le coin. Le problème, c'est que là-bas, j'ai des rebelles. J'ai des rebelles à l'autre bout du monde, côté d'Irène. Oh mon dieu. Sarig Yugir. Mariage royal. Ok.
Les sujets, Sargugir, le siège des provinces. Non, tu vas te mettre avec moi. Ok, là. Attache-toi à moi. Ah, comme mes fidèles, ils devraient venir maintenant. L'Ottoman se plaît, faut que tu fuis à la Pologne. Alors, le problème, c'est qu'il y a ce fort, l'Ottoman il peut pas passer tant qu'il n'a pas pris le fort. Du coup, je prends une armée de Polaques et de Lituaniens chez moi, ça fait mal. Enfin, vous, je m'en vais ça, ils vont être verts plutôt. C'est pas grave, verts. Pourquoi tu dis quoi, t'as ta guerre? Raconte-la-moi, parce que là, je peux pas trop regarder, je Je suis encore pense dans que une tant guerre, que moi. l'Ottoman n'a pas fait tomber le fort en Moldavie, il ne veut pas passer chez les terres polonaises. Du coup, le Polonais, pour l'instant, il a le libre cours pour venir chez moi. Mais pourquoi t'es en guerre avec le... T'es en guerre avec Parce que ce con s'est dit, oh, je défends la Moldavie, lol. Ah, putain, j'ai pris sa capitale. Ça, c'est une nouvelle qu'elle en est bien. On va prendre ça, pris sa capitale. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça, si la capitale elle est prise de l'autre pécor. Elle va me prendre mes proches, je vais lui mettre des claques sur le coin de la gueule. Vas-y, kebab. Donc, nous disions donc, tu vas me donner ça. Ça, ça. Ça. Ça, ta capture aussi? Non. On va plutôt regarder les provinces qui ont une valeur certaine ou une certaine valeur. On va lui prendre. Ouais. Non, on va lui dire, tu me donnes. Non, ça. Ah, putain. Ça, ça, ça. Et pas ça. Vas-y, tout le monde. Ah. Alors, 2 petites secondes, je mets une petite pause parce que là c'est le bordel à suivre. 2 petites secondes, excuse-moi. Là, alors voyons. Ah, le gars. La priorité, Clurofer. Je veux déjà qu'il me donne toutes ses thunes. À partir du moment où il me donne toutes ses thunes, s'il me donnait ça, ça, et non, ça il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Bon ben voilà, on va prendre du fric, on va calmer la guerre parce que j'ai un peu d'autres priorités. Je me suis un petit peu étendu. Ah si, l'Ottoman a enfin traversé et pour enfin dévaster les terres du Polonais. C'est bien, on va faire plaisir. Allez, vite, dépêche-toi de prendre ses forts au Polonais, de lui pourrir son pays. Ou de rappeler qu'il pour me filer un coup de main. Je serais pas du tout contre. Ah c'est bon, c'est les rebelles qui sont là-bas. Donc là, on va recruter un mercenaire, on va rembourser les prêts. Voilà. Technologie administrative. Ok. Ah c'est bien, c'est le chinois qui me désiège. Oh c'est cool ça, merci le Parfait. chinois. Tu voudrais pas les défoncer mes rebelles plutôt que décider, espèce de naze? Déjà qu'il fait quelque chose, on va pas s'en plaindre. Hein. C'est pas faux. Par contre, ce qui... Ah voilà, le CAM. Parce que ce qui est con, c'est que le... Est-ce que le Ming va se le défoncer? Ce serait bien de te le défoncer. Ah bah c'est bon. Ce qui est con, ce que je veux dire, ce qui est con, c'est qu'en fait, t'as comment il s'appelle? Comme je me retrouve avec une paix avec le Chagatai, ça m'empêche mes zones d'extension de Sigbuj, Ladakh. Donc, Ouais. bon, ça va, Sarigyogir, il a clémé sur le CAM. Donc, on va lui mettre sur la gueule. J'attends que mes troupes soient arrivées. Bon. Ça, c'est quoi? On va les envoyer là-bas aussi. Tu connais la différence entre 15 000 Polonais et 15 000 Polonais après que l'Ottoman soit passé? Bah c'est qu'il y en a plus 15 000. Non, la différence c'est simple, c'est 15 000 Polonais.
revoir les Polonais. C'est Stacco Epé là. Mais non, viens, mais pas t'allier là, avec toi. Regarde-moi ça, ces connards, ils viennent me casser les pieds. Moi, ça va, le Ming, il m'a pété mes rebelles. Par contre, je pense qu'il va pas me décider mes provinces. Je sens gros comme une maison. Ah, une technologie militaire. Bah oui, putain, pourquoi pas. J'aurais pu gagner si t'es pas venu, s'abruti. Vous êtes vraiment relou, les Polacs. Ah, le Ming, il m'aura bien aidé, en fait. Hein. Les forteresses. On coupe l'entretien. Les estates. On va leur fourguer du territoire. Et pas en Crimée, cet abruti. Ah, je me rappelle plus ce que ça fait déjà les tribus. Quand ils contrôlent la province. Local manpower. Ok. Donc, où est-ce que j'ai beaucoup de manpower? Non. Non, building. Iuré. Ah, Iuré, on va le fourguer aux tribus. Et Azari va déjà y être, je sens. Iuré qui est... Ouf, c'est par là, je crois. Iuré, oui, c'est ma capitale. Donc, bon, on va pas le donner. Tout ça pour ça. Le mec, il me casse les pieds pour se faire pulvériser par les Ottomans. Oh, tu parles. Eh bien, à peine, m'emmerder pour ça. Hein. Allez, allez, on va siéger Varsovie, tu vas voir, il va moins faire le malin polonais. L'Ottoman fait tellement face, c'était en puissance, machin. On grave ça niveau finesse. Hop, diplomatie, Cam, déclare war, décret d'ong. Il veut siéger à la place? Il veut siéger à la place? Non. Kizar. L'Ottoman, il va faire le siège circassien à la place. C'est gentil, bon, c'est pas que je suis. Ah, bon. Si je peux plutôt libérer les forts, moi, ça m'arrangerait mieux. Il y a combien d'hommes, le Cam? Il y a 7000 hommes qui sont cachés, je sais pas où. Ils sont cachés là, ils vont où? Pff, c'en a encore un qui va se trimballer au bout du monde. C'est vrai que les hordes, c'est toujours en guerre. T'es obligé d'être toujours en guerre. C'est de la merde. Cassie, on va pouvoir défoncer ça. Bon, bah encore un qui visite la Chine, comme d'hab. Là, il a Yingyang. Donc, Yingyang, c'est juste au nord de Canton. Mais bon, bah, vas-y, balade-toi. Hein. Ok. Ouais, c'est bien. Hein. Ça t'éclate. Bon, le Sarigugir, c'est quand tu veux. Ada, tu donnais l'ordre de charger. Non, c'est pas STL, c'est subject. Ça se clash au Overlord. Ah, le Ming, ok. Pourquoi t'as fait annuler ça, crétin? Tu te négocies à 7%, tu t'es barré.
Mais fais prendre Varsovie, putain, fais d'abruti. Tu veux vraiment que je te dise pourquoi il a fait ça? C'est con qu'une bite. Oh, je n'osais pas le dire. Il a été connu avec l'anus. Putain, ça fait déjà les 20 minutes, hein. C'est la fin de l'épisode. Donc voilà, bon bah, comme ça fait les 20 minutes, les gens, hein, on va s'arrêter là. On vous dit donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.